plusieurs reprises ma façon de présenter le truc, c'est au travers de ce premier filtre-là. Et là, sur le projet qu'on essaye de faire, on a traduit ce que pourrait être la transposition des quatre lois des robots de Asimov pour un projet de matériel libre. Il y en a 4. Ouais. Ça commence à 0, 1, 2, 3, ça fait 4 en fait. Loi 0, loi 0, 1, 2, 3. Je ne savais pas qu'Asimov, il y avait 4 lois. Ah, voilà, dans la loi des robots, ça fait ça. Il faut que je vise là. Toc. Ouais, ok. La deuxième filtre, c'est l'idée d'essayer de transposer ce qui se fait dans l'univers des logiciels libres, dans l'univers des choses matérielles fabriquées. Qui dit les choses matérielles dit bien entendu des particules, tout un tas de choses comme ça et de l'immatériel. Et peut-être bien, en fait, on peut traduire tout ça en une sorte de théorie de l'information. Donc voilà, c'est le deuxième filtre qui porte ma présentation. La troisième chose, c'est que j'ai la sensation que de l'énergie, il y en a partout sur la planète, au bout de mes petits doigts et puis partout dans l'univers, et que cette énergie, finalement, elle est dispo. Donc si on en a besoin, ça serait bien qu'on puisse l'utiliser. Un autre truc, c'est que je me sens concerné par le climat, donc... Je me dis que peut-être réfléchir sur l'éolien, ce serait une bonne idée, sur le petit éolien. Et enfin, un logiciel libre sans énergie, enfin, ça ne fait pas grand-chose. Donc je m'étais dit, voilà, c'était peut-être aussi une bonne idée d'appréhender cette présentation au travers de tout ça. Même si là, on voit une brique Internet qui a réussi à fonctionner avec de l'énergie libre, du soleil. Ah, je suis gouré, pardon. Voilà, donc le titre de cette petite conférence que j'estime être... Enfin, je vais essayer de parler pendant 15-20 minutes, mais peut-être pas plus. Puis après, c'est plus un échange, enfin voilà, j'espère, si vous êtes d'accord. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un projet de petite éolienne ou d'énergie libre? Comment on s'en débrouille pour que ça devienne un projet de matériel libre? Et donc, je commence par faire une petite réclame. Poup, 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 ça c'est le projet en question. Il y a les adresses URL qui sont en bas. Voilà, c'est le nom du projet. Les petites éoliennes, on peut en mettre partout. C'est là où il y a les petits points rouges, là, sur des bateaux, sur des buildings, enfin partout. En haut, c'est une génératrice qu'on essaye de fabriquer actuellement avec des couverts de boîtes de conserve. Et ici, c'est la bestiole qui est là. Voilà. Si on souffle dessus, elle tourne. Mais là, il n'y a pas de vent. Et hop, une deuxième réclame, poum poum poum, c'est que ça se passe au sein de Labo Média et du merveilleux atelier du coin. Labo Média se trouve à Orléans. Et donc là, je fais une petite plage de réclame pour vous dire que voilà, ça se passe là et que Labo Média, c'est très très bien. et voilà, donc en arrivant sur l'énergie éolienne libre, donc libre, l'énergie éolienne n'est pas tout à fait libre parce que l'État aime bien prendre une petite part à la production d'énergie que l'on fait. Il y a une histoire de contrôle aussi des États, des militaires, pour avoir une indépendance énergétique, parce que c'est important pour la paix, paraît-il. Il y a des gens qui réparent de temps en temps les lignes, donc il faut faire gaffe à ce que si jamais on produit l'électricité, elles ne se prennent pas du jus. Donc il faut faire gaffe à ça, donc on ne peut pas être trop libre non plus. Et puis il y a des pollutions, enfin voilà, sonores, visuelles et tout ce qu'on peut imaginer. Et donc pour ça, en fait, c'est finalement pas très libre, sauf éventuellement si le truc est tout petit, et ça c'est peut-être bien la bonne dimension, si c'est hors réseau et si c'est de faible puissance. Alors dans ces cas-là, on a une paire royale et on peut produire ce qu'on veut, où on veut, en France et peut-être partout sur la planète. Dans la navette, dans la station spatiale, je suis pas sûr, mais enfin, faut voir. Et un mot sur le petit éolien. Donc, vous voyez, voilà, là, il y a des. Ah, j'ai un truc là pour viser, c'est ça? Toc. Ouais. 200 mètres. Poum. Ça, c'est les grands machins qu'on voit dans les champs. Et puis, il y a le petit éolien. En fait, c'est ce qu'il y a dans le cercle là. Là. Vous voyez, c'est super grand parce que le cercle, je l'ai agrandi ici. Et donc, il y a des personnes qui disent, ça, c'est du petit éolien. Donc, ça fait 12 mètres, c'est des envergures super grandes. Il y en a même qui disent, voilà, quand ça fait 4 mètres ou 5 mètres, c'est du petit éolien.
Voilà. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait sûr. Pour moi, la taille doit être inférieure à 2 mètres et ça doit être des pales enfin, qui sont inférieures à 60 cm de grandeur. Et je me trompe, hein, c'est ma vision, hein, mais voilà. Moi, je pense que le petit éolien, c'est plutôt dans des formats vraiment petits. Et pour en revenir maintenant à la transformation de l'énergie éolienne libre en quelque chose de matériel libre. Bon, là, je fais un rappel au cas où il y ait besoin, mais enfin très rapide. On est d'accord que les licences libres qui existent aujourd'hui, c'est un pont entre quelqu'un qui crée un truc et puis un droit d'auteur. Et il y a les licences libres qui se mettent au milieu pour dire voilà, j'autorise, j'autorise pas à faire ceci, à faire cela. Et c'est comme ça que ça se fonctionne. C'est entre le droit d'auteur et puis quelqu'un qui crée un zinzin. Donc ça, c'était un petit rappel. Et pour ce qui est des trucs matériels, semble-t-il, voilà, selon moi, selon ce que j'en ai compris, peut-être vous avez une vision différente, il y aurait trois façons de créer un matériel libre ou en tout cas quelque chose d'équivalent. La première chose, c'est d'utiliser la licence copyleft attitude, de copyleft attitude, la licence art libre. Alors la licence art libre, elle a une caractéristique, c'est que si vous créez, par exemple, si cette petite éolienne, au lieu de faire une petite éolienne comme ça, je mets plusieurs petites éoliennes en forme de cœur, et puis ça tourne, et quand ça tourne, ça émet, je ne sais pas, des chants d'amour des baleines, et qu'en même temps, on balance dans l'espace des chants d'amour. En fait, c'est un truc artistique dans ces cas-là, et je le pose sous la licence art libre. C'est destiné à des fins artistiques, dans des lieux artistiques et uniquement artistiques. Alors, dans ces cas-là, si jamais les reproductions de ce truc sont faites à des fins artistiques pour des lieux artistiques, alors la licence art libre, elle va fonctionner. C'est-à-dire qu'on va fabriquer, et on va avoir un matériel libre artistique, et ça va tenir. Donc ça, on peut dire que ça fonctionne. La deuxième façon, peut-être, de y arriver, c'est on regarde ce qu'a écrit M. Richard Stallman et ce qu'il y a sur le site de la Free Software. Et là, on nous explique qu'on peut envisager de dire qu'un matériel est libre quand les plans ou le descriptif de ce matériel est publié sous licence libre. Et on a une liste de licences qu'on peut utiliser en fonction de la chose que l'on publie sous licence libre. Donc ça, c'est une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire, on publie les plans. Vous connaissez à peu près le principe. Arduino, c'est comme ça, ainsi de suite. Donc c'est une autre façon de voir les choses. Et puis une troisième façon, et là, c'est plutôt, on appelle ça de l'open hardware, c'est d'utiliser des licences open hardware qui sont listées là. Donc il y en a deux aujourd'hui qui sont plutôt utilisées. La TAPR et celle du CERN, et qui a pour caractéristique de proposer à ce que les documentations soient publiées un peu comme les licences libres, sous les mêmes principes que les licences libres, mais aussi que les fabrications qui utiliseront cette documentation auront pour obligation de traîner avec elle l'endroit où on peut retrouver la documentation. C'est-à-dire, en fait, c'est une façon de prolonger dans les fabrications la notion de libriste. D'accord ? Mais c'est pas tout à fait libriste, c'est un petit peu... Enfin, c'est plutôt open. Voilà, plutôt open source que libre. Donc voilà les trois façons dont on peut... qui peuvent exister pour créer un matériel sous licence libre, ouverte ou open source. Cependant, c'est pas évident parce que, donc, comme j'ai un peu envisagé, il y a un certain nombre de problèmes qui peuvent exister. Je ne les ai pas tous listés, mais voilà, c'en est. Bon, cette petite éolienne, comme elle est là, et si je fais un cœur avec plusieurs, elle n'est pas artistique. Enfin, c'est pas une œuvre d'art, quoi. On est d'accord ? Même si elle tourne joliment, elle est fantastique. C'est difficile de faire un truc artistique, vraiment artistique, là. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Je peux pas. Enfin, ça va être difficile pour moi de considérer que c'est une œuvre d'art et d'utiliser la licence art libre.
il va y avoir à un moment donné, ça va coincer, je pense. En plus, ça va être destiné sur mon balcon, ou sur ton balcon, ou sur le balcon d'une autre, ainsi de suite, et c'est pas pour un lieu artistique, à des fins artistiques. Bon, problème. Deuxième chose, c'est que les licences libres qui sont listées aujourd'hui, elles causent pas du tout de la fabrication. Elles se contentent de couvrir ce que l'auteur a publié, mais pas les choses qui sont fabriquées à partir de ce que l'auteur a publié. Donc ça pose un petit souci. La troisième chose, c'est que les licences OHL qu'on a vues avant, la TAPR ou la CERN OHL, elles sont écrites avec des termes et des conditions qui permettent de rendre la documentation libre ou open source. Mais qui ne sont pas la réplique exacte des licences libres dont, par exemple, la Free Software recommande l'utilisation. Et ce qui fait qu'il peut y avoir quelqu'un qui dit « Mais moi, je veux publier sous licence Apache, moi, je jure que par la licence Apache. » Et il ne se retrouve pas du tout dans les termes et conditions qui sont écrits dans la licence TAPR ou CERN OHL. Et donc, ça pose un petit souci. L'autre chose, c'est que les licences OHL, donc la CERN et la TAPR, elles reposent en fait sur une posture entre les acteurs qui se transmettent la licence. Parce que ça ne repose pas sur le droit d'auteur, ça repose uniquement sur les acteurs qui, en accord les uns avec les autres, enchaînent, disent « Ah ben je suis d'accord pour respecter ce que tu me demandes de respecter », et ainsi de suite. Mais c'est pas protégé par le droit d'auteur, ça veut dire que ça fait appel à un autre droit. Et ce n'est pas le droit d'auteur. C'est le droit des contrats, le droit du business, le droit de... je ne sais pas quoi. Comment ça se fait que ça ne soit pas protégé par le droit d'auteur? Parce que si c'est des descriptifs, normalement, c'est... Un plan, normalement, c'est protégé par le droit d'auteur. Parce que les licences TAPR et CERN OHL parlent de fabrication. Et le droit d'auteur ne couvre pas les fabrications des choses issues de la documentation. Quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé sur les trucs pour les non-voyants, il y a très longtemps, il y a 40 ans de ça. Ça me rappelle quelque chose. Donc voilà. Mais donc, ça veut dire que la documentation est sous droit d'auteur, est protégée, mais pas l'implémentation, ou ça veut dire que rien n'est protégé? Pardon, mais pas là. La fabrication? Oui, il y a quelque chose qui est protégé, par exemple, notamment puisque tu dis que la fabrication ne répond pas au droit d'auteur, mais tu as quand même la documentation, le plan, etc., qui est soumis au droit d'auteur. Et on a le droit, d'après la loi, de fabriquer un matériel qui est soumis au droit d'auteur sans respecter les conditions de... Non, c'est pas ça, c'est que, d'après ce que j'en ai compris, c'est que le droit d'auteur s'arrête uniquement, par exemple, au dessin. Je dessine ma petite éolienne pour faire de l'énergie libre. Je dessine, voilà. Je mets ça sur GitLab ou je sais pas quoi. Et puis voilà, c'est ça qui est protégé par le droit d'auteur. Le dessin, le descriptif. Mais à aucun moment, en tout cas dans le texte français, mais d'après aussi M. Richard Stallman et la très vénérable Fondation, c'est bien dit ça, ils disent aussi que dans d'autres pays, ça peut poser un problème. Un autre point qui est vachement troll, hein, mais bon, je le dis quand même, c'est que voilà, c'est la totalité des licences libres, elles sont quand même publiées par des sociétés qui sont aux States. Donc, bien entendu, quand ils font un truc, ils essayent déjà à ce que ça cale sur leur propre législation à eux, puis après sur les législations des autres, mais d'abord chez eux et après chez les autres. Donc ça peut peut-être poser un petit problème. Ah, pu. Fini ? Voilà, donc ça c'est un sujet qui est un peu trop lent, je suis désolé, mais j'avais envie de le dire quand même, parce que au-delà du simple troll, en fait, on peut être d'un seul coup embarqué dans des logiques qui ne sont pas nos logiques culturelles, locales, propres. Au Tonga, peut-être, ils auraient raisonné complètement différemment. Mais voilà, nous, aujourd'hui, voilà, c'est des licences qui sont sous le contrôle des États-Unis d'Amérique ou de la législation américaine.
En plus, mis à part la licence art libre, c'est que des licences qui sont en anglaise. Et moi, si je vais voir ma juriste préférée ou mon pauvre notaire de mon village, parce que j'habite dans un tout petit village, il va me dire, mais c'est bien gentil ta licence GPL là, mais j'y comprends que dalle, c'est de l'anglais. Même la CERN, pourtant qui est écrite de façon un petit peu plus élégante d'un point de vue des juristes, eh bien, il ne va pas comprendre l'anglais. Donc ça va être un problème quand même. Et puis il y a toujours cette histoire de brevet qui traîne pour les choses matérielles, où en fait il y a des choses qui sont pas. Le droit d'auteur ne s'applique pas, parce que c'est une inventivité sur une fonctionnalité. Et dans ces cas-là, on a beau faire un dessin, ça ne tombe pas dans le droit d'auteur, mais ça tombe dans le droit des brevets. C'est en fait c'est le droit industriel, enfin le code industriel. Non, enfin, ça, c'est une question qui est absolument pour les parties d'autorisation. Ouais, je continue. C'est moi qui ai le pouvoir du micro. Pas. Bon. Donc, à ce stade, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire quand même. La première chose, je pense, ça serait bien d'essayer de rendre tout public. De rendre public. Et de rendre public de façon nickel. Où on n'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui se pointe qui fait « Ah, mais non, c'est pas tout à fait public ton truc. » Voilà. Non, il faudrait qu'on arrive à trouver un moyen, enfin, pour ceux qui ont envie, de rendre le truc public. Si possible, d'une façon un peu pédagogique. Une doc pédagogique, ça serait plus sympa. Parce que dans ces cas-là, ça couvre encore plus ce que l'on publie. Avec peut-être un parallèle avec ce qui existe déjà dans le monde logiciel, où voilà, c'est defensivepublication.org qui fait ça, ou qui s'occupe des brevets en fait, logiciels. Donc il y a peut-être un truc là à faire, un axe, pour que on arrive à être un peu plus tranquille quand on essaye de faire quelque chose de matériel sous licence libre ou ouverte. Donc tu m'excuses, je reviens un peu sur la question du brevet déposable par un tiers, parce que ça me paraît vraiment la question fondamentale de absolument, enfin c'est le cœur du problème, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus parce qu'il y a quand même, parce que il me semble qu'on peut pas déposer, enfin c'est quand même difficile de déposer un brevet sur une invention qui a déjà été publiée par quelqu'un d'autre, même si elle n'a pas été brevetée. Il y a la notion de prior art en anglais, j'ai oublié comment on dit ça en français. Antériorité, etc. Donc là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, parce que quand dans... Alors, il semblerait que le fait de rendre public va te protéger contre un brevet dans le futur. À condition que ton rendu public soit vraiment bien calé, qu'on ne puisse pas te le... Enfin, voilà, on sait qui tu es, on sait qui l'a fait, on sait ta nationalité. On y a, tu vois, il faudrait qu'on arrive à trouver une façon de faire. Pour l'instant, on est obligé d'aller voir l'INPI. Coucou, l'INPI, enfin, ou d'autres trucs. Donc on est là, on rack un maximum, juste pour un petit territoire, pour une petite classe de service, pour un petit machin et tout. Si tu veux la totale, eh ben, il faut que tu sois super riche. Donc, moi je suis pas riche, donc si je veux le faire, je suis planté. Par contre, si en le rendant public, eh ben, quelqu'un, si c'est vraiment rendu public dans les normes, quelqu'un qui veut balancer un brevet dans le futur par rapport à une chose qui est rendue publique avant, il peut pas. C'est marqué. Dans la loi française. Et peut-être la très vénérable Free Software Foundation nous dit que peut-être aussi ailleurs c'est marqué, dans d'autres législations. Bon, le deuxième truc, c'est peut-être de faire une nouvelle documentation qui articulerait les licences libres comme elles existent, c'est-à-dire pour ceux qui adorent la GPL ou la licence Apache, la licence Mozilla ou je ne sais trop quoi, ou la X11, eh bien, de dire, OK, voilà un document dans lequel la documentation, elle est publiée sur la licence de ton choix, et les fabrications, eh bien, devront embarquer avec elle cette petite licence avec elle. Donc, on choisit, en fait, la licence de son choix pour publier sous licence libre la documentation, les descriptions, et on oblige à ce que les fabrications embarquent sous le bras une information où on peut retrouver cette documentation initiale. Ou on fait un petit acte de tout ça, on reprend les termes des belles licences comme la GPL, en demandant l'autorisation à la très vénérable Free Software Foundation, bien entendu, et on remplace les termes programme par les termes je ne sais pas trop quoi, enfin on fait un ersatz de toutes ces belles licences pour qu'on ne confonde pas, pour que
que les gens qui ont pondu ces licences pour les logiciels et ainsi de suite ne soient pas enquiquinés, ne se sentent pas mal à l'aise. Et on met des termes différents, comme ça, peut-être on peut y arriver sans perturber trop le système. Bon, c'est peut-être un petit hack qu'on pourrait faire. Enfin voilà, c'est une idée. Et puis la troisième chose, c'est qu'on pourrait essayer de faire un truc qui soit vraiment multilingue. Et quand on est multilingue dans le législatif, on appelle ça le wording. Ça veut dire qu'il faut à tout prix que les termes législatifs qu'il y a dans chacune des langues correspondent à la législation locale. Ou alors, on fait comme l'a fait la GPL, c'est on se démerde pour que là-dedans, il n'y ait absolument aucun terme législatif. Et ça, ça fonctionne. Donc ça pourrait être une idée. Et puis peut-être de rendre les choses un peu neutres pour éviter que ça soit hébergé seulement aux States ou ailleurs, hein, et que ça soit rendu neutre par... voilà. Ça, c'est un peu mon dada. Alors, vous pouvez critiquer à mort. Hein. De toute façon, tout ce que je dis, vous pouvez critiquer à fond. Hein, c'est pas un souci. Et je pensais à l'UNESCO ou au CERN. Le CERN étant une institution intergouvernementale, on est d'accord, hein, qui est donc normalement dans lesquelles, sur les discussions de la CERN-OHL, quand des Américains venaient en disant « Oui, mais non, parce que la législation aux States, c'est comme ça, donc il faut écrire comme ça », et tout le monde arrivait qui fait « Oh, oh, c'est pas pour les States, c'est pour tout le monde ». Donc, il y a une sorte de, comme ça, de... Enfin, voilà, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la planète. Et voilà... Et enfin, je voulais terminer par ça, où ça c'est un petit clin d'œil, où compte tenu de toutes les informations que j'ai dit là, dans quelle configuration je me place pour essayer de produire un matériel sous licence ouverte ou sous licence libre, quels risques que je prends, comment ça peut fonctionner, voilà, dans quelle situation je me place. Sachant que j'ai la possibilité de publier sous licence ouverte ou de ne pas publier. Et puis, il peut y avoir des entreprises, des toutes petites entreprises ou des très grosses, des gentilles ou des méchantes, qui peuvent être attirées par l'odeur alléchée de cette magnifique éolienne. Et qui peuvent se dire, je peux contribuer à ce projet au fur et à mesure de son existence, en ressources, en idées, en ce que je veux. Ou pas contribuer du tout. Et quand on regarde ça, ça ressemble à une situation qui est connue, qui s'appelle la tragédie des biens communs, où en fait, on se rend compte que aussi bien Madame A que Madame B ont tout intérêt à ne pas collaborer, parce que c'est la position la plus gagnante ou la moins risquée pour elles. Et ça, c'est un peu enquiquinant, si on le prend au pied à la lettre. Dans les biens communs, dans le climat et ainsi de suite, on demande au gouvernement de pondre des règles pour essayer de légiférer et d'empêcher les acteurs de faire n'importe quoi. Mais dans le monde du libriste, on va dire, ou open source, en fait, on s'autorégule par nous-mêmes. Et là, il n'y a pas de loi internationale pour nous dire « Ah non !» D'accord ? Donc c'est un petit peu différent. Et là, de mon propre sens, pour moi, en fait, la solution, c'est de créer, en fait... une entité, un groupe de personnes qui partagent les mêmes choses et qui font se dire, en fait, publier un matériel, voilà, quelque chose de matériel sous licence ouverte ou sous licence libre, en fait, c'est une posture, un état d'esprit, et on le partage, et voilà. Et ça, à mon avis, ça tient mieux que d'aller chercher des régulations. Et donc, voilà, j'en ai fini. J'ai pris un peu plus de temps que je ne pensais, excusez-moi. Je voulais parler 20 minutes et j'ai parlé 30 minutes. Mais l'idée, en fait, de ma présentation, c'était de m'arrêter assez rapidement pour, en fait, renvoyer la balle, pour essayer de... Enfin, je ne sais pas, s'il y a des personnes qui ont envie de faire des choses, enfin, voilà, il y a peut-être de générer, comme ça, des énergies ou des questions. Moi, je peux répondre à des questions, mais je sais que dans la salle, il y a des personnes qui sont très qualifiées pour répondre... à des questions aussi. Donc, juste si vous avez des questions, vous attendez bien d'avoir le micro parce qu'autrement, ce n'est pas rediffusé sur le stream. Donc les gens ne peuvent pas suivre. Bonjour. J'y connais rien en droit, mais je me demandais en preuve d'antériorité. Il me semble qu'à une époque, il suffisait de s'envoyer par la poste une lettre avec dedans la documentation de son invention, bref, de ce qu'on avait fait pour que ça puisse être valide juridiquement. Donc est-ce que ça pourrait pas marcher également dans le cas d'une éventuelle protection ? Quelqu'un a une idée ? J'en doute fort parce que des preuves de réception, l'accusé de réception et tout ça,
prouve l'existence et la date de la lettre, pas de son contenu. L'enveloppe pouvait être vide. Si on veut faire ça en France, la solution la plus light, c'est l'enveloppe solo à l'INPI. Ça coûte, de mémoire, c'est 150 euros, mais je me trompe peut-être. C'est peut-être moins cher que ça. Donc à vérifier, c'est la solution la plus light et efficace, en France en tout cas, pour avoir une preuve d'antériorité officielle. Sinon, il y a une autre preuve d'antériorité qui est plus conforme à l'état d'esprit d'Internet, c'est qu'on le diffuse partout, on le met sur la blockchain, on le distribue en BitTorrent, on le met sur plein de sites web, c'est indexé par Internet Archive. Après, il y a des chances que devant un tribunal, on puisse trouver quelqu'un pour témoigner que oui, ça y était bien. Mais il y a quelqu'un qui a une autre idée ? Bonjour. En fait, il existe la lettre recommandée électronique dont le contenu est authentifié. Donc c'est sur le site de la Poste, c'est signé et donc il y a un contenu. Donc ça fonctionne. On peut se l'envoyer à soi-même avec la preuve d'envoi. Je confirme les deux. Puis l'enveloppe, en fait, elle marche aussi. Mais tu la récupères chez toi, tu l'ouvres surtout pas, tu la mets dans un coffre-fort et tu ne l'ouvriras que le jour où tu seras devant le juge. Et ça ne couvrira que le dessin. Après, juste pour ajouter aussi quelque chose, en France, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des preuves. C'est-à-dire que devant un tribunal, on va regarder toutes les preuves les unes après les autres. Et donc, typiquement, une enveloppe par courrier simple sera inférieure à une lettre recommandée, qui sera inférieure à un dépôt de brevet, qui sera inférieure à etc. Et donc, c'est un peu une bataille de la preuve. Si quelqu'un a breveté avant, il y a de fortes chances que le juge retienne plutôt le brevet qui est déjà déposé à l'INPI ou par quelqu'un qui a accepté sans faire les vérifications d'antériorité qu'une simple lettre recommandée ou une lettre simple qu'on aura reçue chez soi. Donc après, c'est toujours les batailles d'experts et ça peut vite être compliqué. Mais ça dépend surtout de qui on veut convaincre. Est-ce que c'est un juge ? Et dans ce cas-là, un truc déposé à l'INPI a plus de chance. Ou est-ce que c'est la communauté Internet ? Et auquel cas, par exemple, eux n'ont aucune raison de faire confiance à l'INPI. Et donc, dans ce cas-là, la publication a plus de chances de les convaincre. Donc, c'est ça aussi le point. C'est est-ce qu'on voit plutôt le procès ou est-ce qu'on voit plutôt qu'on veut avoir la légitimité, voilà, la popularité, des trucs comme ça ? Juste une petite précision, je crois que l'enveloppe solo c'est moins cher, ça doit être plutôt de l'ordre de 60 ou 70 euros, je ne sais plus exactement. Ça permet malgré tout de prouver effectivement l'antériorité, ce qui n'empêche pas le dépôt de brevet, ça peut prouver effectivement l'antériorité, sauf erreur de ma part, je ne suis pas juriste, mais si jamais on a déjà fait cette démarche enveloppe solo avant le dépôt d'un brevet équivalent, on pourra continuer à exploiter de façon personnelle en fait son invention, mais ça n'empêchera pas la personne qui a déposé le brevet d'elle-même exploiter son autre invention et d'en concéder des licences, alors que nous-mêmes on sera pas capable, on n'aura pas la capacité juridique de concéder des licences à d'autres personnes dans ce cas de figure-là. C'est pour ça que rendre public, en fait, ça peut être une excellente. Enfin, si on y arrive, si on arrive à créer l'outil pour ça. Voilà, ouais, ça serait vraiment pour les brevets, en tout cas, ça serait, on ne serait jamais embêté. Et peut-être pour ajouter un petit mot par rapport à nos quelques cogitations, on avait aussi évoqué le fait de déposer une marque qui se passe aussi à l'INPI. Alors c'est aussi un dépôt, voilà, c'est pas la même démarche, mais ça peut permettre aussi une certaine forme de protection qu'ont fait un peu les histoires d'Arduino actuelles. Et donc si on dépose une marque, alors ça ne protège pas du tout l'idée ni la fabrication, mais ça le permet quand même d'exploiter en gardant sa marque entre guillemets. Ok. Il y a d'autres questions ? Ou est-ce qu'il y en a sur Internet ? Des gens qui voudraient voir l'éolienne devant la caméra. Ah. Les gens qui. Elle est où la caméra ? Ça va être bon. Ah. En fait, si on marche, on fait tour. Parce que ça fait du vent. C'est bon là, tu es là ? Oui, je l'ai. Là, comme ça ? On fait du vent dans une salle sans vent. Totalement gratuite cette énergie. Libre. Je ne sais pas si on peut mettre l'énergie sous licence libre. Ça doit être le cran d'après. Logiciel, art, choses matérielles, énergie. Voilà, on est avant le Big Bang à mon avis, mais enfin bon.
Alors oui, alors sur là pour l'instant, on a réussi à développer 0,3 entre 0,3 et 0,4 watts à 1,60 tours par minute, c'est-à-dire un tour par seconde, pas avec ce modèle de génératrice, mais d'un modèle d'avant, où il n'y a que 3 bobines et 4 aimants, et qui tournent vraiment très lentement. Ce qui sous-entend qu'avec cette génératrice qui est plus grande, là on avait fait ça avec une génératrice en impression 3D qui est en bas, hein, en impression 3D et des couvercles de boîtes de conserve. Là, on a pris des couvercles de casserole, et puis il y aura un petit peu plus d'aimants, il y en aura 12 et il y aura 9 bobines. On devrait arriver au-delà du watt. Toujours pareil, à un tour par seconde, ce qui est très lent. Ça veut dire que normalement, elle tourne plus vite que ça. Avec le vent qu'il y a dehors, en moyenne à l'année, ça, c'est des formes qui tournent un petit peu plus vite. Question pour l'intervenant, si on met plusieurs petites éoliennes, quel est le statut comparé à une plus grande équivalente ? Alors si c'est inférieur à 12 mètres, il n'y a besoin de rien dire, sauf et si on c'est pas raccordé au réseau, il n'y a besoin de rien dire du tout. Par contre, si on met plusieurs petites éoliennes, qu'elles dépassent 12 mètres, alors en ce moment-là, il faut faire, en France en tout cas, une déclaration de travaux et ainsi de suite. Et si on les raccorde au réseau, de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut prévenir la structure intermédiaire qui s'appelle ERDF. Qu'elles dépassent 12 mètres individuellement ou alors mises... C'est-à-dire que si là, ça fait 60 cm de haut, donc je ne sais pas combien, pour aller à 12, il faut en faire un paxon, quoi. Donc si on en met 12 plus une, ça dépasse. Oui. Enfin 12 mètres plus une, quoi. 12,60. Il considère la somme des hauteurs des Je sais pas, semble-t-il, c'est ça la question. C'est-à-dire si on empile, si on empile les éoliennes les unes au-dessus des autres, jusqu'à 12,60 mètres, dans ces cas-là, il faut faire une déclaration. Là, c'est très compliqué. Ouais. Et si on les met côte à côte, par exemple, si elles sont longues de 40 mètres, c'est pas pour les... Et en fait, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le truc rigolo, c'est qu'en fait, on en met 60 comme ça, puis après, on prend le truc et on le met à l'horizontale. Et ça marche quand même, ça marche pareil. Donc là, ça fait pas 12 mètres de haut. Et donc, voilà, pas besoin d'autorisation. Là. Donc on peut se fabriquer un champ d'éoliennes en dépassant pas les 12 mètres. Un champ d'éoliennes avec 3000 éoliennes comme ça, à l'horizontale, finger. En tout cas, pour l'instant. Il ne faut pas le dire trop, hein, parce qu'ils voilà. sont capables d'arriver et de faire oh là là. Donc, la réglementation pour aller. Ouais. C'est vrai, sur l'éolien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pardon ? Alors, ce modèle-là, moi, je l'ai mis dans mon jardin un jour où ça soufflait, ça bastonnait bien. Donc, j'habite à la campagne. Et je pensais qu'elle avait valsé. Et elle n'a pas moufté. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de résistance. Tu vois, en fait, je suppose qu'à 150 km/h de vent ou 170, en fait, ces pales-là ne tournent plus assez vite. Et donc, elles tournent plus lentement. Donc, en fait, elles se fixent. Et ça fait comme si vous aviez une feuille de papier, enfin, ou de métal, qui est face au vent. Donc, dans ces cas-là, elle prend toute la puissance du vent et, à mon avis, elle valse. Mais avant d'en arriver à 150 ou 170 km/h de vent, en fait, elle tourne. Et donc, elle ne pose aucune résistance au vent. Et donc, elle reste en place. C'est juste la résistance des tubes en acier, quoi. Donc, autant dire que dalle, quoi. Et c'est vraiment étonnant. Et j'en avais fait une avant en bois, tout en bois, avec des pales en bois, magnifiques. Qu'on a mis, on en a fait 3, on en a mis 2 comme ça à l'extérieur, tout un hiver. Et elles ont valsé parce que le support, le truc support qu'on avait fabriqué pour accrocher à un pilier de garage, en fait, c'est ces supports-là qui ont cassé. C'est pas l'éolienne en elle-même. Et il y a un IUT qui se trouve à Tours qui en a récupéré une pour savoir à combien elle se désagrégeait complet. Et j'ai pas le retour. Je ne sais pas, mais ils ont réussi à la bousiller. Ils l'ont explosé complet. Le truc est valsé, quoi. Enfin, voilà. Ils l'ont arrimé par terre, ils ont mis en soufflerie et rouf.
Moi, je trouve, ce genre de projet est intéressant, mais par contre, quand on habite en ville, où est-ce qu'on a le droit de les installer, les éoliennes ? Ouais. Si on habite dans... Je fais un peu de réclame. Boup, 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 boup. Ça vous embête ? Ou vous préférez une autre page ? Parce que comme on parle du truc, je me dis, tiens, je peux faire ma pub. Ça vous embête ? Ou je zappe ? Ouais ? Yes. Et en ville, si tu habites dans une... Parce que tu as une chance inouïe dans une habitation classée. Ah, pas de chance, tu peux rien mettre sur ton balcon. Ah oui, bonjour. C'est que éolienne ou n'importe quoi. C'est interdit. Ensuite, sur une habitation, normalement, on ne peut pas fixer sur un toit ou sur un bâti une éolienne. C'est-à-dire fixer, quoi. Hein ? Parce que ça fait des vibrations, et ça peut faire des vibrations sonores, donc ça peut enquiquiner tous les humains qui sont dans l'habitation. Mais ça fait aussi des vibrations physiques, et ça peut fissurer les murs. Enfin, on n'est pas là, mais enfin, ça peut. À force, avec la fatigue. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ce truc-là, c'est plus rigolo, parce que tu ne le fixes pas, tu le poses sur ton balcon. Hein, comme un pot de fleurs. Et si c'est pas raccordé au réseau, bah, on s'en fout. Enfin, disons, on s'en fout. Ça va te produire ta petite électricité à toi. Là, on espère 1 watt, mais on espère... Gaziel, on espère plus, on va arriver à produire plus. Peut-être que ça va produire un petit peu plus. Donc, ça veut dire que tu poses ta petite éolienne sur ton balcon, sur ta terrasse, dans ton champ, sur ton toit, enfin n'importe où, en toute tranquillité. Après, il ne faut pas être bête. C'est-à-dire que si tu mets ça sur ta terrasse et que tu ne la fixes pas bien, au premier coup de vent, peut-être elle va bouger, voilà. L'intérêt de ce genre de modèle, je vous le dis, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein. C'est un monsieur, le premier à avoir déposé cette forme-là, c'est un monsieur qui s'appelle Savonius. On ne sait pas si en Égypte, il y avait un mec qui avait déjà, au temps des Égyptiens, il y a 5600 ans, il y avait un mec qui avait déjà pensé à ce truc-là, mais le premier qui a utilisé le copyright pour dire c'est moi qui l'ai fait, c'est un monsieur qui s'appelle Savonius. Donc on dit tous que le monsieur qui a inventé ça, c'est Savonius, mais on ne sait pas si c'est lui, hein. Voilà. Mais l'intérêt de ce truc-là, c'est que si vous avez des petits enfants avec des petites connottes et que ça tourne très vite, s'ils mettent les connottes là, ça leur fera jamais bobo. Jamais bobo. D'accord ? Ça peut pas. OK ? Donc ça a un petit intérêt. Si vous mettez ce genre de truc-là sur votre balcon et que vous avez la chance d'avoir des petits petits, eh bien... Voilà, ils se feront pas bobo avec l'éolienne à maman ou à papa. Contrairement aux éoliennes qui ont des... Même les éoliennes, à axe vertical comme ça, qui ont des pales. Oui. Enfin, des pales profilées en aile d'avion, en fait. Qui sont plus... Celles-ci, elles peuvent faire mal. Ah oui, celles qui sont profilées comme ça. Il y en a qui sont hélicoïdales, je crois. Il y en a une sur la Tour Eiffel. C'est ça ? Il y a un truc qui s'appelle la Tour Eiffel à Paris ? Il semble qu'il y a une hélicoïdale qui est là quelque part. Effectivement, si vous mettez votre main, là, ça fait plus... vous allez saucissonner votre main. On y voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si on en met un petit peu partout, comme on voyait sur la page de réclame juste avant, est-ce que ça a créé beaucoup de nuisances sonores et est-ce que ça crée beaucoup, ouais. Beaucoup d'énergie ? Est-ce que ça vaut le coup, en fait ? Ouais. C'est un peu une question troll, mais... Non, mais elle est sage comme question, au contraire. En termes de bruit, je crois qu'on peut dire que, quelle que soit la forme d'une éolienne, en fait, elle va fabriquer des infrasons ou des ultrasons. Enfin, pour moi, c'est plutôt des infrasons. Et bon, peut-être certains d'entre nous qui captent les infrasons vont les entendre. En tout cas, les bestioles, il y a des bestioles pour qui ça peut déranger. Donc, les grandes éoliennes, elles émettent vraiment des infrasons qui peuvent être gênantes. Par contre, une petite comme ça, il semblerait que le niveau, en fait, est infime. C'est vraiment... Là, il faudrait vraiment une bestiole super, super costaud en captation des infrasons. Donc,
Je crois que ça fait pas de bruit sonore, en tout cas. Hein. Ce genre de modèle-là, tu l'as fait tourner. Moi, je l'ai vu tourner vraiment très, très vite. Et j'ai été étonné parce qu'elle ne fait pas de bruit. Ou en tout cas, elle ne fait pas un bruit supérieur au bruit du vent que tu as dans les oreilles à ce moment-là. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais... Voilà. Et en termes de gêne... Ah oui, de... Justification, en fait, ouais. De l'énergie dépensée par rapport à l'énergie produite. Non, ou... Ouais. Produire, okay. Ça, oui. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on perd pas beaucoup d'énergie à en construire plein? Ouais. Enfin, tu disais que ça produit à un tour seconde, ça produit 0,3 watts. Oui, pour l'instant, parce qu'on a fait c'est nos petits tests de pré-proto, de pré-bêta proto, de petites génératrices en cours de construction, tu vois. Mais vraiment, on est loin de la finalité. Je te laisse continuer. J'ai l'impression qu'avec ça, on produit peu d'énergie, que si il faudrait en produire vraiment plein, et que même dans une grande ville, si on en met sur tous les toits, ça sera, on n'apportera que peu d'énergie par rapport à nos besoins actuels. Ouais. Bon, c'est une question un peu plus large, je suis désolé. Oui. Mais sans doute, en fait, une bonne vieille centrale nucléaire pour 50 millions de personnes, c'est un peu mon propos, ouais. C'est beaucoup plus rentable, ça bouffe moins d'énergie. Par contre, en fait, ce qui se passe, c'est que, un, t'es pas libre. Enfin, je sais pas, moi, on est dans un... Labo Média, c'est un peu libriste sur les bords. Moi, un peu aussi. Et, enfin, tu vois, j'aime bien avoir cette liberté du truc pour moi, du truc à réparer moi-même. Je vais pas, tu vois, les grandes éoliennes et tout ça, elles sont là, et c'est peut-être plus rentable. Enfin, je sais pas, faut faire les calculs. Hein. Parce que bâche agricole... trucs de cage à poule, roulement de skate, enfin, je veux dire, il n'y a pas grand chose là. Hein. C'est vraiment en termes de poids énergétique, tu vois, pour arriver à produire ça, je pense qu'il est pouillème. Hein. Bon, donc, je ne sais pas, il faudrait demander à quelqu'un qui s'y connaisse vraiment pour faire un vrai calcul. Mais, enfin, tu vois, l'idée, c'est que là, tu es libre de. Voilà, tu es libre avec ton truc, tu en fais un peu ce que tu veux, tu le répares comme tu veux. Je sais pas, je ne veux pas casser du sucre sur Enercop, mais je les ai contactés et ils m'ont dit, mais non, nous, on fonctionne avec... Il y a peut-être Enercop dans la salle, je m'excuse, mais on fonctionne avec des éoliennes qui sont sous licence propriétaire. On n'y connaît rien, de toute façon, ce n'est pas notre problème. Ils s'en débrouillent. On ne sait pas comment c'est foutu, mais on veut un truc qui marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, tu es tributaire, en fait, de ton fournisseur. Hein, c'est un peu comme la mairie de Berlin qui a dit, Microsoft, coucou, bye bye. Nous, on veut que du libre. Et Microsoft se pointait, dit mais ça va coûter vachement plus cher. Et le mec de responsable des systèmes d'information à Berlin de dire, ok, mais au moins je suis libre, je sais ce que je vais faire. C'est un peu, tu vois, ce que je veux dire, c'est un peu, enfin, je cherche pas à embobiner, mais j'essaye de mettre en regard. Sinon, on va prendre plus une autre question et après on évacuera la salle histoire de laisser refroidir un peu tout ça. Parce que ça devient un peu étonnant. Okay, dernière question. On va virer les ampoules et puis on reprendra juste après. Il y avait une devant là, je crois. Non, je vais passer normal. Quels seraient les moyens de stockage libres? Parce qu'à 1 volt, j'imagine qu'il faut. Un peu stocké pour pouvoir réutiliser après derrière. Qu'est-ce qui existerait en aval de cette solution-là pour pouvoir réutiliser beaucoup de volts, beaucoup d'ampères? Je suis pas sûr d'avoir vraiment compris. Enfin, je sais pas, quelqu'un. Est-ce qu'il y a des batteries, du matériel de stockage d'électricité qui s'inscrit dans cette philosophie-là? Alors, oui, on prend l'énergie du vent. Et l'idée à la fin, c'est de restituer en énergie électrique, en électrons, le machin qu'il y a partout dans l'univers, là, paraît-il. Et donc, pour ça, on peut soit effectivement stocker dans de la batterie, puis restituer après, ou on peut prendre l'énergie qui est amenée par le vent et la transformer en énergie mécanique. On monte des bouteilles d'eau au kilomètre là, qu'on jette. On les remplit, puis on les monte les unes après les autres, puis on les bloque. Puis après, on les lâche,
puis elle tombe, et ça, ça fait marcher une génératrice. Donc c'est une autre façon de faire, qui est sans doute plus, ouais, plus cool, plus... Voilà. Donc les deux sont jouables. Ouais, en fait, c'est ça. Un poids. Donc, je dis des bouteilles d'eau parce que voilà, je trouve ça marrant. Mais ça peut être un poids, voilà. Ou alors comprimer de l'air, enfin, il y a toutes ces solutions. Oui, tout à fait, ouais. Par un couplage mécanique direct entre l'éolienne et le... Oui. Donc après, il faut vachement de cerveau super intelligent parce que comme c'est tout léger, ça tourne avec très peu de vent, il faut de l'inventivité pour transformer la faible puissance de vent en... En mécanique, parce qu'à chaque fois qu'on met un bout de mécanique, on pompe un peu d'énergie du vent hein, qui a été donné par le vent. On en grappe un peu en frottement, en ceci, en cela. Donc il faut être vachement ingénieux. Alors si vous vous sentez, vous pouvez venir nous voir tous les jeudis après-midi dans le merveilleux atelier du coin de la généreuse Labo Média qui se trouve à Orléans. Moi, j'ai fait un peu de pub encore. Tout. Mais on s'arrête là peut-être. Ouais. Ouais, là, ça et en vous remerciant beaucoup. Donc juste pour info, donc là on va évacuer la salle. D'ici 10 minutes, donc il y a une conférence sur le nommage sur internet, comment on fait pour gérer ces noms de domaine.